qui est déjà au violet, déjà constitution. Barcharnema, Mike Moukebaï, Azab député à député provincial, Otali, Salomon, Akangami, Eloko Morote, Franck Diongo, Boileve, Sanko, Sambit. Donc finalement, Tozoye Bate, Olingo Tigana Banane. C'est des trop. Maintenant, c'est 11 mois où le président Nabiso Azali, na prison Yamakala, illégal. Bango baza ba juriste ba yebi droit. Est-ce que ceux qui bolobi na mutuke bozo tchaye na résidence surveillée? Résidence surveillée et zalaka na prison Makala? Non. Tozo mona na justice ya monsieur Tshilombo a violé ni a violé constitution na niveau moko oyo totikala komona te. Même Kabila atikala ka kosala ba biloko aboyete. Même Kabila atikala ka kosala ba biloko aboyete. Même Kabila atikala ka kosala ba biloko aboyete. Si la justice de M. Tshilombo a complicité avec ses juges, va qu'on maintenir décision, c'est lui de garder injustement le président Jean-Marc Kaboun à Kaboun, de ressentir un recours dans la voie de son Lego pour qu'il soit libéré sans condition honorable de Jean-Marc. Libérez Kaboun! Libérez Kaboun! Libérez Kaboun! Pour les cassations! Libérez! 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 Nous avons tout à l'heure de Monsieur Tshilombo avait prôné l'état des droits. Parce que nous étions en DPS, nous avons prôné l'état des droits. On ne peut pas avoir des arrestations arbitraires. Des arrestations sans procès contenu. La prison centrale, il y a un conseil à libération. Il y a un conseil à libération. Il y a un président Nabiso Jean-Marc détenu illégalement par M. Tshilombo. C'est un prisonnier politique. Nous prenons le peuple congolais à témoin. Ce jour sur les dérives du pouvoir en place au sujet de cette détention arbitraire et honteuse. Mais lorsque les hommes et les femmes de l'Alliance pour le changement ne sauront plus à quel sens se vouer, après le mémorandum que nous vous adressons, monsieur le procureur général, tous les moyens légaux et non violents seront utilisés pour obtenir la libération du président Jean-Marc Kaboun. Akabund. Vous ne voyez pas les dollars, c'est à combien? Panier ménager, c'est à combien? Panier ménager, c'est à combien? Toloba qui le peuple d'abord? Le peuple, le comment? Le ventre d'abord? La famille d'abord? Le peuple d'abord? Et Zoyo Kanate. Ma mission TV, le miroir du monde. Camarades,
Demandons la libération sans condition de notre président Jean-Marc Kabound, incarcéré une année en prison centrale de Makala sans un dossier équitable. Aujourd'hui, on est là pour demander sa libération. Ça, c'est la Ligue des jeunes de son parti Alliance pour le Changement. Et son dossier est bien incarcéré ici. Il a été assigné en résidence surveillée. Cette demande ou cette lettre n'a pas été appliquée et ça souffre de son application ici. Merci. Monsieur le procureur près de la Cour de cassation, notre action de ce jour se veut d'un énième appel à l'exécution de l'ordonnance d'assignation à résidence surveillée rendue par la Cour de cassation en date du 12 août 2022 conformément à l'article 76 alinéa 2 et 3 de la loi numéro 13/10 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation qui continue scandaleusement de connaître une obstruction. Pourtant, selon les procédures, il vous revient le devoir d'exécuter cette décision de justice. Monsieur le procureur général, veuillez exécuter l'assignation à résidence surveillée de l'honorable Jean-Marc Kabound Kabound et ensuite mettez définitivement fin aux poursuites judiciaires à sa charge. Car par son point de presse du 18 juillet 2022, notre président national vous avait dénoncé des faits évidents devant vous permettre de l'approcher a priori comme un potentiel renseignant et non comme un infracteur hasardeux. Nous sommes persuadés que vous avez ouvert après sa mise en accusation et sa détention les dossiers relatifs aux faits et de corruption, concussion, coulage de recettes publiques, détournement de deniers publics, bradage des ressources de l'État et même de sûreté. Tous les auteurs de ces faits infractionnels sont sans moindre doute des hauts placés de ces régimes, tels que les avait dénoncés l'honorable Jean-Marc Kabound Kabound dans son discours du 18 juillet 2022. Nous invitons notre justice, celle que vous engagez par chacune de vos actions, de poursuivre, arrêter, détenir, juger et condamner les véritables criminels de ces régimes, de mettre fin à l'impunité que de détenir illégalement et arbitrairement un député national qui a dénoncé les antivaleurs de l'exercice de ses fonctions de parlementaire autant que d'acteur politique. Nous prenons le peuple congolais à témoin ce jour sur les dérives du pouvoir en place au sujet de cette détention arbitraire et honteuse. Mais lorsque les hommes et les femmes de l'Alliance pour le Changement ne sauront plus à quel sens se vouer, après le mémorandum que nous vous adressons, monsieur le procureur général, tous les moyens légaux et non violents seront utilisés pour obtenir la libération du président Jean-Marc Kabound
à Kabound, à ce compris la rue qui sera notre dernier recours. Nous vous remercions pour cette attention soutenue que vous avez voulu réserver à ce mémorandum de la Ligue des jeunes de l'Alliance pour le changement que j'ai essayé de transmettre fidèlement. Merci. Papa, Vite façon les amoutiers.
Directeur général près de la Cour de cassation, notre action de ce jour se veut d'un énième appel à l'exécution de l'ordonnance d'assignation à résidence surveillée rendue par la Cour de cassation en date du 12 août 2022, conformément à l'article 76, alinéa 2 et 3 de la loi numéro 013-13-010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation qui continue scandaleusement de connaître une obstruction. Pourtant, selon les procédures, il vous revient le devoir d'exécuter cette décision de justice. Monsieur le procureur général, veuillez exécuter l'assignation à résidence surveillée de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabounds et ensuite mettez définitivement fin aux poursuites judiciaires à sa charge. Car, par son point de presse du 18 juillet 2022, notre président national vous avait dénoncé des faits évidents devant vous permettre de l'approcher a priori comme un potentiel renseignant et non comme un infracteur hasardeux. Nous sommes persuadés que vous avez ouvert, après sa mise en accusation et sa détention, des dossiers relatifs aux faits de corruption, concussion, coulage de recettes publiques, détournement des deniers publics, bradage des ressources de l'État et même de sûreté. Tous les auteurs de ces faits infractionnels sont sans moindre doute des hauts placés de ces régimes, tels que l'avait dénoncé l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabounds dans son discours du 18 juillet 2022. Nous invitons notre justice, celle que vous engagez par chacune de vos actions, de poursuivre, arrêter, détenir, juger et condamner les véritables criminels de ces régimes, de mettre fin à l'impunité et de détenir illégalement et arbitrairement un député national qui a dénoncé les antivaleurs dans l'exercice de ses fonctions de parlementaire autant que d'acteur politique. Nous prenons le peuple congolais à témoin. Ce jour, sur les dérives du pouvoir en place au sujet de cette détention arbitraire et honteuse. Mais lorsque les hommes et les femmes de l'Alliance pour le changement ne sauront plus à quel sens se vouer, après le mémorandum que nous vous adressons, monsieur le procureur général, tous les moyens légaux et non violents seront utilisés pour obtenir la libération du président Jean-Marc Kabounds à Kabounds. À ce compris, la rue qui sera notre dernier recours. Nous vous remercions pour cette attention soutenue que vous avez voulu réserver à ce mémorandum de la Ligue des Jeunes de l'Alliance pour le Changement que j'ai essayé et de transmettre fidèlement. Merci. Assez viva, viva, assez viva, viva, assez viva, 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 2023, Jean-Marc Kabounds, et la République. I'm the M23. Madam. Il a demandé la réduction des trains de vie des institutions. C'est un homme qui est très différent parce qu'il a été en opération libéré en réalité afin de dénoncer les abus de sécurité. Nous sommes venus officiellement
informé le procureur après la cour de cassation. Prisonnier personnel de M. Tshisekedi, oh, jusqu'à ce jour, à la prison centrale Yamakala, la Ligue jeune du parti Alliance pour le changement, Tshisekedi, dans le plus bref délai, base à ma disposition nécessaire à exécuter l'ordonnance rendue par la cour de cassation, celui d'assignation en résidence surveillée de l'honorable Jean-Marc Kaboun à Kaboun. Vraiment, nous avons alerté presque la population congolaise que si la justice de M. Tshilombo a complicité avec ses juges, qu'on maintenir décision, celui de garder injustement le président Jean-Marc Kaboun à Kaboun, te ressent un recours dans la voie sur l'ego pour que tu libéré sans condition honorable Jean-Marc. J'espère qu'il y a un autre tiki, mais moi, la biso boya Ligue de jeunes et que ma kambou et gotambo la bien. Et d'ici là, je pense que le président de la biso aux Alibanda, pour ça aux Alibanda, nous allons toujours faire des actions pareilles jusqu'à ce que le président de la biso aux Alibanda. Alors, biso jeunesse, to telemi, to lobby, non, trop c'est trop. Le président de la biso a coquille qu'aux Alas jamais. Injustement dans la prison Yamakala, plus de 10 mois comme ça en tout cas, et ça l'a bien été. Donc, au Banda, ça a toujours action. Type président Abisso à Kobima. Merci beaucoup. Abimi, si président Abisso, nous, la jeunesse, on va encore rentrer à la cour de cassation pour déposer notre mémo et faire des actions. Vous voyez, on va encore faire des actions de grandes envergures sur le terrain jusqu'à ce que notre présence sera d'ailleurs. Donc, c'est comme ça, il n'y a pas à discuter. Des sit-ins et des marches. Des sit-ins et des marches. Donc, étant congolais, nous allons manifester. Dès lors, notre président honorable Jamal Kaboun a été arrêté injustement. Et puis, la cour de cassation, il y avait toute une ordonnance assignée, qui assignait le président honorable Jamal Kaboun a qui devrait être en résidence surveillée, fort malheureusement, le procureur général qui devrait exécuter cette ordonnance n'a pas fait ce qui a été prévu. Eh bien, nous disons, dès lors, le président est maintenu là, nous allons continuer à faire des actions pareilles. Nous avons déposé le mot aujourd'hui. S'il n'y a pas l'exécution, on va continuer. S'il faut marcher, nous allons marcher. Toutes les voies démocratiques seront utilisées. C'est un peu ça, ce que nous disons. Oui, Nakatia, pour déposer un mémo pour accompagner la Ligue de jeunes. Parce que c'est de trop. Maintenant, c'est 11 mois où le président Nabiso Azali, na prison Yamakala, illégal. Bango baza ba juriste, ba yebi droit. Est-ce que ceux qui bolobi na mutuke, bozo tchaye na résidence surveillée? Résidence surveillée, et zalara na prison Yamakala? Non. Tozo mon ango na justice, ya mese Tshilombo, a violé la constitution na niveau moko oyo to tikala komona te. Même Kabila a tikala ka kosala ba biloko abo ete. Nous demandons. Nous exigeons na cour nenge ba déposer mémo lelo Luc Desjeunes bati ki mémo na bango ba répondre au plus vite possible. Ceux qui ba répondre te balabala eza musala na biso jusqu'à ce que ba ko libérer honorable Jean-Marc Kaboun Libanda parce que peuple azana a besoin. Peuple azana a besoin vraiment tozana besoin na abima Libanda aya ko solola na ba papa na ba mama peuple partout dans le monde même ibino ndenge bozawa na boyebi comment biloko eza ya komata. Vous ne voyez pas les dollars c'est à combien panier ménager eza ya komata. Panier ménager eza ya komata toloba ki le peuple d'abord le peuple le comment le ventre d'abord la famille d'abord le peuple d'abord ezo yo kanate. C'est pourquoi mon honorable Jean-Marc Kaboun a zo ki décision ya ko quitter biftek a préféré aya ko salier na peuple o ya zo souffrir to sengi na cour nenge bazwi memo ba libérer soit qui va répondre bisoté balabala ezanda kuna biso ya kolala to yebi ke bazo kanga batu injustement biso peut tout ça d'accord la justice wana ba ke na biso ne ba ok na biso quand même occasion de toujours profiter parce que président Kabundi aza congolais oyo abotami na Congo oyo akoli na Congo. Oh, le seul moutou atikala jamais qu'on détourne mbongo ya trésor public. Moutou atikala jamais qu'on sala mbabe moko et que justice a interpellé. Mais comment jusqu'à présent, président Kaboun a continué toujours kosa na makala en tant qu'un député national. En même temps, tous les Kosenga, le président de la République, il est à l'objet qui était aillé dans l'état de droit. Mais état de droit, ils ont obligé tous les commandants, ils ont acharné moi, ils ont yangoté. Les lots qui sont allés, ils ont obligé qu'ils ont opposition, ils ont pété. Mais si comme opposition, ils ont tout ça, la moussa, ils ont dit, pour tout qu'ils aient élection, les lots, Franky Dzongo, place à Zali, Yébanité, les lots Salomon, Nakatsa Makala, les lots, Baté Bélé, Toé, Baté, quoi, Toki Kosalate. Yo ya qui pour les peuples d'abord. Si quoi yo zo kanga ba politicien,
ba opposant poyoti kana nanani polo ba ke non mboka ba opposant bazate tozali Kabundi azali tozali ko senga yo libérer Kabundi, libérer Kabundi. Les lots dollars, 10 dollars, comme il a 26 000 francs. Les lots na place royale, le peuple d'abord. Obungi sa vision y a Etienne Tshisekedi. Soko zaki na vision y a Etienne Tshisekedi. Les lots, ndenge ba touba vota yo. Les lots ne to vota yo pour comme président de la République. Tolinga ki toza la memora na yo. Mais lors to sengi yo na souka, libérer président Kabou. Outrage contre chef de l'État. Déjà la Zalaka. 6 mois, naba touba tanga, makambeko e ba bengi droit, tout soit Mibeko. Outrage contre chef de l'État, 6 mois ou soit 3 mois. Mais le président Kabou n'a totalisé 11 mois. Déjà en prison, donc déjà au violé déjà constitution Barchanema, Mike Mukebay, Azab député à député provincial, Otali Salomon Akangami et le Komorote, Franck Diongo, bois levé sans cause sans but. Donc finalement, tous les batté au lingot na banane et le connaît quoi ça libérer Kabound et merci. Je vous remercie, Bapandi Sango. Merci beaucoup. Ma Mission TV, le miroir du monde.